Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, c'est Capitaine Flamme en compagnie de Overwan 97. Bonjour à tous. Non, c'est merci. Voilà, donc pour une petite vidéo assez rapide, donc c'est parce qu'on vient de trouver le mercenaire pas de greffe de moelle. C'est la première fois que je le trouve depuis que je joue à Dofus, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous montrer. Donc je vais vous montrer même comment on fait pour avoir la quête, parce que bah, c'est encore une petite vidéo entre guillemets Kama, parce qu'on va se faire pas mal de Kama avec ça. Donc je vais devoir passer une popo, Melkomo. Ouais, mais... Bah, pour faire les petits zaps, les zappies, pour revenir après. Donc ce qu'on va faire, on va aller à Astrub. Et on va se rendre à la prison. Voilà, cité d'Astrub. Je tiens à préciser que ça fait 2 jours qu'ils spawnent sur la même map. Donc si vous voyez la vidéo, c'est bien possible qu'ils spawnent que sur cette map là. Voilà, donc avec un peu de chance, si vous allez aussi, ben, vous le trouverez. Mais logiquement, il doit être dans le boîte Litneck qui est pas super grand. Donc ça devrait être pas trop dur à le trouver. Donc non, je ne suis pas encore R. C'est juste pour le skin que j'ai déjà mis ma panoplinion. T'es fait aggro par des pioux, attention, t'as plus de stuff, hein, fais gaffe. Alors, une fois que vous êtes ici, vous descendez, donc c'est juste au-dessus de la statue panda. Vous venez ici, vous cliquez sur les panneaux, je sais plus c'est lequel par contre. Non. Premending Toria, c'est pas lui. C'est lequel panneau, je sais pas. Pas. Lequel de panneau? Juste là. Ici? Alors, pas de greffe de moelle, donc 238 000 kama, 140. Donc ça ramène pas mal de kama quand même. Je vais les prendre tous, hein, comme ça je devrais plus me taper le chemin à chaque fois. Si ça bug pas, voilà. Zatoichuan, je peux pas. Alors lui, qu'est-ce qu'il y a? Ogivol Scarlazin, ça c'est aussi, il est facile, il est dans Astrub. Il est dans Astrub. Ouais, logiquement il se balade dans Astrub. Ah, dans Brakmar, pas dans Astrub, puisque je dis. Lui, je sais pas. Ah mais si, on peut le prendre en fait. Ça prend 3 000. Eh, je peux le trouver le plus cher. Hein. Ouais. Alors on va prendre le dernier. Ah, Herminsa, elle est dans le bois d'Astrub. On ira la chercher après, ça a ramené un peu de Kama. Donc, une fois que ça c'est fait, vous retournez à Bonta. Hôtel de vente des mineurs. C'est quoi cette nouvelle mode de faire aggro par des pioux, quoi? Ouais, je sais bien que... Hôtel de vente des mineurs. Voilà. Donc vous m'aviez demandé de faire des vidéos Kama, bah, vous allez en bouffer des vidéos Kama. Le moindre truc qu'on gagne des Kama, je vais faire une vidéo, comme ça vous pourrez pas dire que je vous en fais pas. Et oui. Eh bien oui. Oui. Je suis le colonel et le Père Noël est très lourd. Bon, et mon Didier est très mou. Plagiat. Alors on retourne à la passe. Nathan Nadukage. Donc je ne suis pas en panos normal, je suis en train de monter une mule qui a déjà 52 en un jour. Et ouais, j'ai le kebab ici. Il est content et comme il n'avait pas... Enfin, il avait déjà fait la quête sur son Eka en fait, ben il a pris le... Non, il faut être environ au-dessus du niveau du level 100 pour faire la quête, c'est pas la même chose. Voilà, pas de greffe de moelle. En plus, c'est XP pas mal. Ton pote veut pas venir? Non? David, tu veux venir? Tu veux venir? Waouh! Non, tu ah lui oui, dis que... Ah oui. Tu lui dis que c'est pour pas pour de greffe. Capitiver de pas de greffe de moi. Bon, invite-le dans le groupe s'il est quoi. Il est pas quoi. Qu'est-ce qu'il faut avec un chapeau Plocos? Non.
Ben non, on l'entend pas. Ben non, on l'entend pas, mais moi je peux lui parler. Ben ouais. Bon, ben je fais une petite pause à la vidéo et quand il arrive, ben je vous. Donc nous revoilà, nous sommes prêts à lancer le combat. On attend que juste que cadavre Stuff. ce stuff. C'est bon? Je mets ton stuff. Avec des lances. Qu'est-ce que tu vas foutre en plus cause? Donc je laisse en tactique comme vous préférez. Oh putain, il a les relivants, enfoiré. Bah, un niveau comme ça, c'est n'importe quoi. C'est pas le niveau qui fait que t'as de l'argent ou pas. Bah, souvent quand t'es HL, ça fait beaucoup d'expérience, donc c'est beaucoup de... D'accord, l'épée volante qui tape déjà presque autant. Ah ouais, il a quand même 8000 de vie. Ben, pas de greffe. Et dire que je suis un sourdeux et je fais jamais de CC. Booste-nous, hein, toi. Putain, t'as même pas de paix. Ben, donne-nous de la paix, oh. De la paix, oh. Donne-lui les sorts et donne-moi le cake. Attends, non, non, on le fait. On le fait, ça XP blindé. Ça. Oh putain, il fait des odorats. Il est au pas de greffe. Donc c'est une technique d'XP aussi, vous prenez un level 186 avec un level 137 et vous montez très vite. Voilà, mais le problème c'est que comme il a pas son équipe, ben, il va pas XP. C'est quoi le challenge? Faire deux fois le même truc. Je suis pour le premier. On a eu un délire hier sur le live avec ça, c'était énorme. On a monté jusqu'à 43 personnes grâce à la vidéo. Je pense à toi, nabé, nabé. Tu me donnes... Tu me donnes les CC. Et les trucs pour me booster. S'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais je peux pas aller jusqu'à toi. Mais si t'as donné de la PO, imbécile. Je savais pas. Bah ouais, je savais pas. Ah. Oui, y a pas de dégâts de bâton de rêve. Oh, aussi là, il va avoir la place. Bim, et de 1. Et de 2. Et de 3. Non, pas de coup. Mais oh là 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 là. Et j'ai en plus j'ai foiré le chat, l'imbécile. Ah mais non, c'est lui qui a foiré. Imbécile. Ah non, c'est moi en plus, c'est en aimantation deux fois. Ouah, wow, t'as tapé de wit. Donc si vous voyez un type comme ça, vous prenez tous vos comptes au-dessus de level 100, et ben vous prenez toutes les quêtes et vous ferez le nombre de comptes fois 231. Voilà. Donc c'est une petite technique pour refaire pas mal de kama. Oh, il se fait plaisir au bâton de Rennes. Ah, décale-toi. Voilà. Boum, pardon. Voilà. Et pas de greffe. Voilà. Alors ces petits coups de bâton brel, maintenant il peut se taire, hein, ça va? Moi 1426, hein, haut. Juste là. Faut que tu coupes tes oncles. Oui tes oncles, c'est à toi de jouer.
Ah ouais. Attention, ouais. Ah bah non. Oh, t'attends, t'attends, t'attends. Tu as sorti bazar de truc. Ouais. T'en as tué un. Hein. Amore. Amore. Et on a gagné le combat. Et on s'est fait 400 000 karma. Alors qu'on a tous les deux pas de crête de moine. Voilà, il est là. Ouais, c'est stylé d'avoir un pas de crête. Voilà, vous avez pas de grève de moine. Quelqu'un vous suit. Tu fais quoi? Pas de rappel. Ah ouais, merde. Ah, j'en ai plus que deux. Hein. Moi j'en ai 100 sous mon écart. Ouais, tu m'en rendras. Genre 20. Ah, celle-là. C'est une amore. Comme mes vista amore. On va gagner les camas. Mais je m'en fous, moi, de ton œuf d'œil. Alors. De retour à Astrub. Pour se faire agresser par la Pew. Non. Parce que toi t'es nul, tu te fais agresser. C'est une amore. Et demande-lui s'il veut XP au troll après. Tu veux XP au troll, par hasard. Astrub. Non. Il a dit oui. Mais ce qu'on peut faire, c'est aller au fungus. On peut aller au fungus. Si on fait des petits groupes de 3 ou 4 monstres, ça devrait XP pas mal. Il a dit qu'il a pas envie de tuer. Il y a quoi? Il y a pas envie de... Non, ça fait deux fois sur la même map. T'es déjà doué. Je te demande, tu veux ne pas toucher quelqu'un avec un second. Je vais baisser ça. Donc encore une fois... Ah bah, il y a une personne qui... Oups. J'aimerais bien leur remercier. Non. Non, voilà. Donc encore une fois, ben ça c'est une simple technique de Kama. Mais comme je vous l'ai dit, c'est super facile. Enfin, c'est pas super facile, mais en cherchant un petit peu, ben on les trouve assez facile. On les trouve assez facilement. Et voilà, accepter la mission. Donc je vais vous montrer un truc qui est assez marrant. C'est quand on sort et qu'on re-rentre dans la presse. Ouais. Bah tu l'as pas donné au gardien. Il est où? Bah le gros bazar. Ah ouais, je pensais que c'était à l'autre. Il y aurait pas de grève de moi, allez. J'ai gagné 238 une cam. Voilà. Donc ça, une fois que c'est là, vous sortez de la prison. Toi normalement il y en a déjà blindé dans la prison. Tu re-rentres dans la prison. Et normalement, il est dans la prison, le gars. Eh ouais. Donc par rapport à chaque fois que vous en ramenez un, bah, il va se retrouver dans la prison. C'est tous les miens, ça? Ouais. Ouais, j'en ai beaucoup plus que toi. Bah, moi, c'est le premier que je ramène, donc il y en a pas mal. Il y en a une petite dizaine à ramener, et chaque fois, bah, vous gagnez une petite... Tu veux quoi? Quoi? Je dois bouger mes caméras, non? Ah ouais. Voilà, donc à chaque fois que vous faites ça, ben, ça vous ramène à chaque fois une petite somme de kama, donc ça prend, c'est un peu plus fort que des mobs normales, mais bon, si vous êtes au moins 2-3, ben, ça devrait pas être trop dur à faire, donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être encore une fois un tuto kama, et je vous dis à très bientôt, salut à tous. Salut à tous.